All these science spheres are made of asbestos, by the way. Keeps out the rats. Let us know if you feel a shortness of breath, persistent dry cough, or your heart stopping. Because that's not part of the test. That's asbestos. Good news is, the lab boys say the symptoms of asbestos poisoning show a median latency of 44.6 years. So if you're 30 or older, you're laughing. Worst case scenario, you miss out on a few rounds of canasta. Plus, you forwarded the cause of science by 3 centuries. I punch those numbers into my calculator, it makes a happy face. Bien. Alors, vous placez un portail là-bas. Là, vous pouvez sauter. Ouais, en fait, non, ça sert à rien de placer un portail. Donc, vous passez prudemment sur ces débris. Attention de ne pas tomber dans l'eau, parce que l'eau, vous n'êtes pas foutu de nager. Donc, alors ici, j'avais un peu bloqué, j'avais pas trop compris où c'est qu'il fallait aller. J'espère que je m'en souviens. Ça serait dommage autrement. Voilà. Donc, vous mettez un portail là-haut, vous passez. Voilà, et là vous pouvez entrer. Hop. I like your style. You make up your own rules, just like me. Bean counter said I couldn't fire. Alors, ici, j'avais pas mal bloqué aussi. J'avais pas trop compris, enfin c'est tout bête, mais ouais. On peut pas. On voit pas forcément ça tout de suite. Donc là, vous appuyez sur le bouton, ça libère du gel. Vous mettez un portail. Ça sert à rien ça. Donc vous mettez un portail. Faites passer le gel. Puis là, vous changez le portail et il va s'exploser par terre. Vous faites ça sur toute la surface. Voilà. On va remettre un ici. Ça sera bon. Non, c'est pas... voilà. Bien. Donc, alors d'ici, vous pouvez sauter maintenant. Ah voilà, je suis encore perdu. Je suis encore perdu, mince. Non, c'est tout bête pourtant, il me semble. Ah oui, bah oui, voilà. Donc, vous avez juste la place pour sauter de là et placer un portail. Donc là, vous faites ça. Voilà. Donc vous remettez le portail en dessous, vous faites exploser du gel, ça vous permet d'arriver ici. Donc là vous avez une grosse surface. Hein. Alors, vous mettez un portail ici, vous en mettez un autre à l'entrée, enfin sous la plaque d'où sort le gel, parce qu'en passant là-dedans, ça défait les portails. Donc voilà. Ça va repeindre, enfin ça va couvrir toute cette zone là. Donc ensuite, ce que vous avez à faire, ben c'est pas très dur. Vous placez un portail ici, vous sautez dedans, vous laissez celui-là là-bas, vous sautez. Hop là. Just a heads up, that coffee we gave you earlier had fluorescent calcium in it, so we can track the neuronal activity in your brain. There's a slight chance the calcium could harden and vitrify your frontal lobe. Anyway, don't stress yourself thinking about it. I'm serious. Visualizing the scenario while under stress actually triggers the reaction. Voilà pour cette salle.